Et bonjour à toutes et à tous les petits amis, c'est Shooté et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo découverte sur Pony Island. Toujours en live en compagnie de Cotis, de Mademoiselle Q qui s'enfuit, de Lord Néant et de Mister GG aussi. On a passé un autre message que le gore tout court qui est là pour choquer le pastel gore, ça fait passer un brin de nostalgie ou de tristesse que t'as pas. Ah, c'est vrai que dans un, comme tu dis là, dans un coup de crayon normal, après ça fait pas passer ce que tu veux. Et Lord Néant, Peggy 18, oui, tout à fait. Bon, je vais pas vous faire languir plus que ça, les amis. Je lance la nouvelle partie. Alors, pour prévenir quand même que je ne connais pas du tout le jeu et que je vais peut-être baisser un peu le son par contre. Pète les oreilles. What? Ticket gratuit, d'accord. Obscur, correction du menu. Ah, correction du menu principal. D'accord, ça fait tomber le bouton retour. Ouais, le jeu, oui, GG, le jeu commence comme ça. Bon, allez, je repars, bisous mon nounours, bisous tout le monde, à tout le monde sur Skype quand tu voudras. T'inquiète pas, ma molette, bah comme je t'ai dit, je vais sûrement live assez tard dans la nuit. Et après, j'irai discuter un peu avec Mademoiselle Scottis, enfin, Madame Scottis, vu qu'après qu'on l'appelle comme ça. Et du coup, je pense que, au pire, je te rappellerai demain. Ah oui, voilà. Fallait remettre le bouton en place. What? Alors, le jeu me mindfuck là. D'accord, chargement en cours si tu veux. Je vais attraper ma bouteille parce qu'elle est du mauvais côté. D'accord, faut que je m'enlève celui-là, que je mette celui-là. Je devais juste le corriger, hein. Ça allait marché, je l'ai testé 1000 fois. D'accord, le jeu me parle. Va bientôt pouvoir jouer. Bienvenue dans Pony Island. Non mais je sais pas, vous pouvez me dire les gens si le jeu est fort ou pas? Les poneys qui courent! Oui, cours, petit poney, sauve-toi! Ah oui, faudrait me dire les gens comment rendre le son, s'il vous plaît. D'accord, ça a l'air d'être sans fin, ça. Ça va être assez dur de check le live en même temps, enfin le chat en même temps. J'espère juste que mon chat va pas bugger. What, level 100? D'accord, le truc a bugué. Un poney qui saute en noir et blanc, ça me fait penser à un jeu de plateforme avec un lama qui, plus il court vite, plus il a de couleur. Le son rend bien. Bah, le merci GG du coup de me dire que le son rend bien. Insérez votre âme? What? Mutsu, tu me prêtes. Mutsu, toi, tu, au pire, tu le fais à ma place. Toi, t'as pas d'âme, au pire, à cause de.
même pas, fallait le faire comme ça. Voilà. Je sens le creepy à un moment bien crade. Ouais, je pense aussi. Ouais, franchement. Bah, à la limite, Mutsu aurait pas. Enfin, Lord Néant n'aurait pas pu continuer non plus, vu que lui, il est. Insérez votre âme pour continuer. D'accord. Il y a Pony Galaxy. D'accord, ça, là, ça va jouer avec les. Avec les flèches et Space, du coup. Youhou! What? Le jeu devient trop dur. Alors je peux pas relancer Pony Island. Enfin sur le truc, je peux pas relancer Pony Island. On va essayer de lancer les autres trucs, hein. Bloc orange droite remplace le bloc redémarrage. Hein? Une fois que le jeu a planté, ferme les deux fenêtres en cliquant sur les boutons croix. X sur le raccourci. Ah, Messenger, d'accord. Il y a carrément une soliste dans le jeu en fait. C'était quoi? Bonjour. Hopeless Soul. Hopeless, c'est quoi? Oui, c'est qu'il y a un cas aussi. Peux-tu voir ce message? Réponds-moi, bonjour. What? Ah, je suppose que. Ça, par contre, c'est. Voilà. Pour obtenir un des tickets du jeu, du coup. Merci, du coup, Mitsu. Pratique de faire ça en live quand même. Âme sans espoir. Et je réponds quoi? D'accord, ah, c'est bien foutu, je peux déplacer les trucs et tout carrément. Faire ça. Bonjour, ce n'était pas la réponse que j'attendais, mais bonjour, comment t'appelles-tu? Bon, on va mettre notre pseudo. Hein. Où t'es? Où t'es? Je suis prisonnier de cette machine. What? Inception dans le truc. Je ne veux pas te faire paniquer, mais il est possible que nous partagions le même destin. J'ai un plan, mais je n'ai pas les moyens de l'exécuter. Tu dois m'aider, shooter. Veux-tu bien m'aider? Oui, on n'a pas vraiment le choix si on veut continuer le jeu après tout. Ouais, non, j'ai pas envie d'être poli avec un ordinateur qui me parle, moi. Ça. Tu dois être fier, tu t'es enfui de Pony Island. La boucle de feedback positif pour avoir complété les tâches de saut sans intérêt n'était pas assez captivante pour toi. Je te parle. Tu devais juste le faire. Hein? C'était si terrible que tu devais t'échapper, tu devais juste le faire. Mais le jeu a l'air bien barré là quand même.
de message à personne d'autre que moi ici, le système d'exploitation entier dépend de trois fichiers corps. En supprimer un seul diminuera le pouvoir qu'il exerce, mais nous devons supprimer les trois fichiers pour pouvoir s'échapper. Compris. Oui. À qui parles-tu? Bah ouais, ça. C'est what the fuck, mais ça a l'air pas mal. Je ne sais pas à lui aussi. Je vais mettre à personne, tiens. Tu es tellement arrogant, j'ai apporté quelques modifications à Pony Island. Nous verrons ce que tu en penses cette fois-ci. À moi désormais, dit oui, maître. Non. J'ai envie de répondre non, connard, mais bon, on va faire ce que le jeu nous demande. On va faire ce que le jeu demande. What? Ma souris se déplace toute seule. Nous verrons heureux. De te retrouver. What? Oh non, soumis. Oh, fuck les gars, voilà. Alors, les cantines, déjà, je sais pas si vous avez vraiment eu le temps de le voir, mais. Pensais que c'était trop facile. Qu'en penses-tu maintenant? What? Et je dois faire quoi? Game over? Mon jeu est difficile, mais juste reviens lorsque tes compétences. Ouais, le symbole anarchique qui apparaît par un coup, j'avoue. Lègue-moi tout simplement ton âme. D'accord. L'âme du poney. La pony. Pony mobile. D'accord. Soit une âme aimable n'en prend qu'une. Un bourdonnement sinistre, naturellement, c'est le seul qu'on peut pas baisser. Guide, soigneur. Voici la réelle raison pourquoi je shootais vite sur League of Legends. La soumission dans tes rêves, Mitsu, dans tes rêves. Nouveau poney gladiator dans vos bacs. Il aura super proche si je réponds plus, c'est que j'ai eu une coupure de courant. Ça marche, Cotis. Il crève autant de fois que tu vois de nuages dans le ciel. Va te faire voir. J'essaie de comprendre le jeu, moi surtout, c'est surtout ça. Surtout
bientôt que je peux rien faire en fait. Que je trouve le moyen d'activer les trucs avancés. Saisis le mot de passe mortel. De retour pour le moment. Mais ouais, je veux bien essayer. Non, pour le moment, je comprends. Je vais retester. Non, je peux que sauter, moi, GG, en fait. Le clic me sert juste à sauter, en fait. C'est pénible même pour moi. Arrête d'essayer et cherche autre. Ah, justement, si les crânes se resserrent sur moi, en fait, je perds une vie. Si je touche une barrière, je perds une vie, en fait. Ça me fait recommencer. Je vois pas trop là. Oh, 4-0. Merde. Mot de passe. Ça aurait été trop simple que ce soit le nom du jeu. Pony. C'est faux, tu as tort. D'accord, le jeu qui m'aurait. Le jeu, quoi. Retour. Non, merde, je reviens là. Fallait cliquer sur la tête du poney en fait et rentrer dans le poney quoi. A l'air d'être juste pour un ticket, mais je veux tester. Voilà, en fait, ça c'était juste pour un ticket, du coup. Je peux pas y retourner. Putain, les trucs ont l'air bien planqués. C'est vraiment planqué de chez planqué, les machins des tickets. Je vais réessayer encore une fois. Oui, voilà, pas de logique dans les poneys. Tu vois, ça, GG, comme je t'ai expliqué, ça me fait réapparaître à chaque fois au début du niveau quand les trucs me touchent ou quand je me prends une barrière. Ces trucs-là, ils servent plus à rien. La musique Game Jam. Ok.
réponse à mes prières. Mettre ça. Merde. Ah non, ouais, ça. Info sur les mots de passe. Baphomet. On va les tester. D'accord, c'était vraiment ça en plus. Ok, j'ai compris. Tu ne me posais qu'une des trois questions. Qui étais-je? Quand suis-je mort? Qui m'a tué? Bah, je vais vous laisser choisir tous les trois. Au pire, si jamais vous n'êtes pas d'accord sur la question à choisir, je les partagerai, les loulous. J'attends vos réponses. Ah, d'un côté, avec Baphomet, on se rapproche, quoi, après. Putain, ouais, le son du jeu, par contre. T'as tué. Mais voilà, trois questions qui insinuent que je serai, comme tu dis, que je suis mort. Bah, à part la première. Et après, vu qu'il parlait de perdre son âme au début. T'as tué? Scottiste, t'en dis quoi? Si c'est toi qui m'as tué, c'est bon, ça. Ah, mais dessus, quoi. J'attends juste vos réponses, les loulous. Bon, GG, choisis-en une, s'il te plaît, par contre. Alors j'en ai un qui vote pour qui m'a tué, l'autre la deuxième qui demande quand suis-je mort. GG. Bon bah voilà, quand suis-je mort. Hop. 1252 années après Jésus-Christ au coucher du soleil estival. Hein? C'est le choix de l'elfe. Pourquoi de l'elfe? Tu ne me posais qu'une des trois questions. Ah, je l'ai posé la question quand suis-je mort? 1252 années après Jésus-Christ. Mais comment ça se fait qu'on se retrouverait dans un ordinateur? Merde, j'ai marqué pour voir ce que le truc va me répondre. C'est tout pour le moment. Saisis retour pour partir. Ok. Vais retourner quand même dans les trucs. Ça m'a donné Baphomet, historique du chat. Cache-clé CD. Je vais essayer de faire d'ailleurs en scène, d'aller voir maintenant. Cet ordi, il est très. Oui, désolé. Le réflexe de marquer PK, quoi. Hein, j'ai toujours le même problème. What? Non, je peux toujours pas avancer. N'empêche, sachant que la licorne européenne est à la base une chèvre, avoir un dieu cornu, ça se tient. J'avoue. Je vais essayer de retaper Baphomet. Il me demande de partir.
demande de taper retour. Activer, désactiver, mourir sur Terre. Des suites de chiffres. Alors, faut que je chope vite fait un de mes téléphones. Noter une des clés. Vite fait. Je vais aller essayer d'en taper une dans le truc où on a tapé le mot de passe. Pire, prends-toi la première barrière à chaque fois. Je vais réessayer ça aussi, GG. Du coup, aucune réaction de la part de l'ordi. On prend pas tout. Oui, il comprend les tirés. Ça fait rien. Et lui, c'est faux. Non, voilà, il me dit en boucle, c'est tout pour le moment. Vas-y, retour pour partir. Et de cliquer un peu partout, mais. Et les rapports d'erreur, oui, non, peut-être, je m'en fiche, pouvez-vous répéter la question? Ok. Ici, il n'y a rien d'autre. Je suis la voix. Oui, Scott, on a tous pensé à la même chose, je crois. Je vois pas du tout comment continuer, franchement. L'ordi réagit plus. Alors d'accord, je remontre exactement ce que j'ai fait. Voilà, je suis retourné dans Gameplay avancé, option de l'ancien prototype, option vraiment inutile, et il y a de meilleures options que celle-ci. C'était pas cela tout à l'heure. J'adore cette petite musique. Laser du poney. Laisse-moi cliquer dessus, enculé! D'accord, le jeu.
Ah, le jeu. Bon, laisse-moi cliquer dessus, connard. S'il te plaît. Mais merde, je peux pas cliquer. Ah. Non, du coup, ça boucle ça. Augmenter la taille. Et du coup, ça boucle. Oui, du coup, ouais, je l'ai vu au dernier moment, le petit point blanc sur le côté. Merde, mais j'ai pas d'autres carrés là. On est d'accord. J'en ai pas d'autres. Ah, j'ai compris. Le fasse avancer. Hop. Hop. Voilà, faudrait que je le laisse descendre en fait jusqu'au bout en remettant les trois. Ok. Putain de con de toi, laisse-moi cliquer dessus. Bon, si j'y arrive encore pas, il va me proposer de l'agrandir encore, je pense. Alors, c'est assez sympa comme style de jeu, mais c'est assez déroutant. Encore pour augmenter la taille, du coup. En fait, on est obligé de cliquer en boucle pour essayer de le faire calculer le machin et jusqu'à qu'il nous laisse apparaître un nouveau carré pour encore agrandir la taille, j'ai l'impression. Parce qu'on peut pas vraiment cliquer dessus. Il le déplace vraiment à chaque fois. Ah d'accord, la musique, quand je me rapproche de la... Quand la musique augmente, ça veut dire que je suis proche d'un des carrés pour faire ça. Alors, déjà, faut que je fasse ça. S'arrêter au meilleur moment le machin. Il va reboot en haut. Voilà, il est là. Maintenant, faut que toi je te fasse aller là. Et où ma clé là? Ah merde, elle est remontée la connasse. Après j'ai plus simple, je peux le faire aller là. Le fais aller là, c'est bon. Ah non, c'est d'accord, je peux pas passer les carrés comme ça. Je viens de capter. Je viens de me taper tout le tour en fait.
Voilà. Meilleures options sont disponibles. Ouais, laser. Reviens et désactive cette option. Tu ne peux pas jouer avec celle-là. Nope. Va te faire voir le jeu. Ah merde. Ah bah ça change tout. Putain, la musique elle est trop épique par contre. Merde. Ah, je kiffe la musique là par contre. Pour le coup. Ah putain. Ah, les réflexes que le jeu demande par contre. Et moi qui ai les mains qui glissent sur la souris. Pas cool. J'ai les mains qui glissent sur ma souris moi, donc ça aide pas. D'accord, je peux rester appuyé. J'ai un genre de barre ouais, qui se vide sur moi pour me signifier ça. Ah merde, j'ai loupé un ticket. Ça aurait pu être cool de faire un 100% quoi. Ma vie quoi. Enfin un moment qui demande du skill. Ouais là franchement je peux rien dire. Mais je pense pas que ça va aller en s'arrangeant, c'est surtout ça le problème. C'est pour ça que je pense que ça va rester une découverte et de la détente. Je le finirai possiblement dans mon coin le jeu. Un ticket. Ah non! Genre merde. Le chat qui voulait des câlins. Oui, Scottis, tu es faible. Tu as répondu à l'appel des câlins de ton chat. Tu es faible, Scottis. Du coup, je kiffe la musique par contre du niveau là. Mais par contre là. Ah merde. La barre elle met du temps à réapparaître par contre quand on tire trop longtemps. Putain par contre. Je le sens que le jeu, en fait, quand je tire un peu trop longtemps, qu'il y a trop d'artefacts à l'écran, le jeu a du mal. C'est peut-être le jeu qui est mal codé sur ce point-là. Tu as gagné. Tu as triché. Ah non. Mais... Oh non, mon pony, il a plus de tête. Mon pony, il a perdu la tête. Oui, quand je reste appuyé sur le laser, ça fait des 0 et des 1. J'ai réussi à te rejoindre. Il semblerait qu'il soit distrait. C'est notre chance.
Azazel. Oh, et le pentagramme? D'accord, je peux pas approcher ma. C'est une sorte de défense qu'il a mis en place. Ça ne devrait pas être un problème vu qu'il est enfermé. Étrange. Rien faire. Ah, fuck. D'accord, le truc a remplacé le supprimé Fifi-Corps par Azazel. Ils ont inversé les deux trucs. C'est cool un laser binaire, moi je dis. Rapide. Ah, l'enculé. Voilà. Bon, il a fait ce que je voulais. Ça, c'est plutôt cool. Un jeu d'enfant. Tu n'en détruiras aucun autre. Voir ça. On va placer le dernier. Non, mais lui faut qu'il aille de l'autre côté. Voilà. Je le veux là. Putain, et une fois qu'il l'a placé, je peux plus rien faire. J'arrive à être plus rapide que lui. La chance est de ton côté. Mais je suis le plus grand esprit. Allez. Encore deux. Pas mal comme genre de mini-jeu quand même. Pardon. On va te mettre là puisque tu nous sers à rien. À des endroits où vous ne me servira à rien. Ça. Merde, il y en a une qui est plus à sa place. Là, il va placer le dernier, puis le dernier est pas bon. Dommage. Celui-là qui était pas bon. Mais non, merde. Je perds un tour en fait en faisant ça, c'est ça qui est chiant. Place que des pièces pas encore placées. Bah oui, c'est pour ça qu'en fait lui il est limité dans les déplacements du truc.
Qu'est-ce que tu fais? Je ne décevrai pas mon maître. Donc en priorité, enlever les carrés rouges si elles sont sur ton parcours. Ouais, bah ouais, t'as bien vu, GG, c'est ce que je fais de toute façon. Alors, putain, ça va être compliqué là parce que. Ça veut dire quoi ça? Ah, ça veut dire qu'une fois qu'elles sont placées, je pourrais plus les enlever celles-là. Pense que c'est ça. Ouais, elles sont déjà bloquées. Je fasse gaffe à ce que je fais du coup. Ah oh, putain, l'enculé. Il m'a bloqué. Le cercle sans fin. Lui, il est obligatoirement bloqué. Putain, mais non. Faut que je place lui en premier. Ça, ouais, je te déplace là. Ouais, raté, mais j'ai eu un peu. Ton prophète n'est qu'un menteur. T'es plus rapide. Fallait juste être plus rapide, il se déplaçait en fait. Ah, le vieux son, putain. J'ai eu peur que le jeu plante là en fait, pendant 2 secondes. Attention, fichier manquant. Si je fais redémarrer, ça fait quoi? Ça relance juste le truc? Ouais, ça fait juste le truc. Bah c'est sur cet écran du coup que je vais clore cette première VOD, les amis, sur Pony Island. Possiblement, je vais faire la suite maintenant, je pense. Donc, à la prochaine dans la suite. Ciao, ciao, les amis.